Gros petit proverbe créole qui dit côté complot maré, chien pas kajapé. Mes amis moun mwen yo, ça son vérité. Nous un grand moun longtemps yo, yo te mis à penser. Et journée jodi en réalité a li éclaté dans figuino. Comment comprendre? États-Unis a sanctionné oligarque, machin pays criminel bandit notoire qui a brassé bille société à machin désagrément. Canada nan bopal a sanctionné ancien politicien, ancien président, ancien parlementaire, chef de gang. Pays voisin nous, République dominicaine, eh bien, vendredi 14 avril, le président dominicain prend un décret qui sanctionne 39 personnalités. Quand on parle là, pral simaye désagrément, nous pral troublé. C'est là, dans liste États-Unis, Canada, vin mette sous sa République Dominicaine prend comme sanction, manque 7 moun. 7 non. Et moun sa yo, bien entendu, c'est une série de moun que toute opinion publique l'enlange doit être sous yo comme machin désagrément. C'est une série de moun, opinion publique là reconnaît yo comme machin pays, comme moun qui volait l'argent l'État, comme moun qui fourrait mais nan jacout peuple là, et pourtant, non moun sa yo pas sous liste. Bon, côté président Matéli passé, côté président privé passé dans liste Abinader là, pour nous apprendre à comprendre, chaque moun nan bo pa yo ap regle zafè pa yo. Chaque moun nan peyi pa yo ap regle zafè pa yo. Et pourtant, véritable victime nan li pa lot que nous mêmes. Matéli m'ap tande, nèg yo qui commence à défiler, gen kesnyan nan mil, sou pat konnen m'ap tou dou li. Qui c'est magistrat agent intérimaire Petionville li nan nan mairie Petionville République dominicaine sanctionné li vinil fait comprendre que c'est parce que ambassadeur dominicain te mandé l'on job pour le faire pour lui li poko faire et puis soit dans des boum non le sous liste Don Cato Antonio cher ami République dominicaine sanctionné sénateur a fait qu'on est ah on même plus que 10 ans pas mettre pied mon côté comme ça pour les sous moun qui n'a pas Abinader li pas complice, li pas coupable. Nous finis par comprendre que tout le monde sa États-Unis, Canada, mette sous la République Dominicaine sanctionné là, yo youn pas complice, yo youn pas coupable, nan malè peuple nan problème pays. Eh bien, si m bien comprendre, c'est moi même qui coupable, c'est moi même qui machin zam, c'est ou même qui machin zam, c'est ou même qui crée instabilité, c'est ou même qui finance gang bandi en dedans pays pour brasser bien société a, c'est nous machin désagrément, c'est jamais ou même. C'est jamais eux même. Depuis mes connaissances de la République, tout politicien, tout machin désagrément, yo sanctionné, non, yo un scandale qui implique dans craser pays, dans voler l'argent l'État. Dans si maye zam, c'est jamais eux même. Eh bien, c'est qui est lié. Eh bien, nous pral font parler dans l'espace libre opinion avec Stanley Lucas parce que gen bagay pou konnen. Même j'entends des États-Unis à Canada, yo décidé geler compte moun sa yo. Prend l'argent moun sa yo. Et pas remettre li avec l'État haïtien, est-ce que c'est même bagay la pral fait pour République Dominicaine? Et qui ça qui empêche Ariel Henry? Qui ça qui empêche l'État haïtien mande que te États-Unis, mande que te Canada remettre yon l'argent que volé sa yo, que bandi sa yo, prenne caisse l'État à investir dans leur pays? Ou pral connaît tout détail sa yo dans bon ti marmite, nan yon ti moment. Yon lot bon information qui rive joint nous. Après que la police te monte dans la boule, dans Thomas et Aldepalcha, Pak en Pak, gang Timakaklan, eh bien, dans le moment où on a parlé à là, il y a plusieurs gros courriers qui sont en base Timakaklan, qui lagé Bieyo, qui allé jouk dans le sud-est pays, dans Seguin, dans Sivadier. Et Negyo, gen tan fè de bel kay. Negyo te gen tan bay fami yo, bay proche yo l'argent pour acheter terre pour yo fè kay. Pendant Port-au-Prince a la, Negyo lage pye yo al nan sud-est pays. Nous pral pote plus de détails pour vous pour connaître exactement qui sa bagay yo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? C'est un plaisir jodi an pou m'a rekou nan espace Polan, nan émission Polan, mon éditorial avec Yannick. Lors sou TAC 509 sou ta y se connecté. Si vous pouvez vous abonner avec Chanel lan, sou fin tombe sou Chanel lan.
pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça vous pourrez être connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster puisque nous même nous là pour chercher information pour nous là pour nous aider à comprendre actualité politique là nous là pour nous faire formation pour vous pour connaître qui comportement on doit gagner en tant qu'haïtien qui réaction doit gagner par rapport avec une situation parce que si c'est pour l'état si c'est pour autorité qui dans l'état en vérité, nous sommes tout international là. Nous sommes tout le pays qui a gardé haïtien, il prend nous tout pour petit gang, il prend nous tout pour bandit parce que moun ki nan tête l'état yo sont pas qu'être gang yo. Donc déjà m'a invité ou partager vidéo pour encourager travail là parce que nous pas qu'à sur une plateforme qui gagne tout moun sa yo et puis pour chita c'est garder seulement pas partager travail là pour encourager travail là. M'a fâché avec nous, m'a pris ça non mais nous. Bon, mes amis, tellement d'informations en pile. Nous obligés à aller rapide, nous obligés à aller vite, nous obligés à aller bien parce que nous gain Stanley Lucas, nous pral recevoir dans un petit moment. Je m'ai annoncé dans tout début émission hein, et bien mes amis, gain information qui rive joindre moi et gain situation tête chargée qui a passé dans sud-est pays. Gain 4 à 5 jours de cela. Yon situation difficile que moun civadier a vivre yon localité qui nan sud-est pays nan Jacmel et moun Jacmel a konnè civadier a konnè localité ça ki sa bagay nan ye information yo fait quoi que 4 à 5 jours de cela moun ki a fréquenté zone civadier moun ki rete nan civadier yo te remarqué gen yon barricade ki nan zone nan pas gen manifestation, pas gen pays lòk, pas gen protestation, rien. Moun yo wè gon barricade yo mete nan route la. Yo pa ka comprendre pour qui raison barricade la. Yo pa konnen ki cause barricade la, yo pa konnen ki motif barricade la. Mais comme politicien ici, nèg ki te nan opposition, André Michel te fè nou konnen ke barricade te arrive. Nou peut-être moun yo wè barricade la, ka pete nan tête, yo gon bagay ki pral changer. Et pourtant, bagay la changer, li mal changer. Qui ça qui passait samedi 15 avril là? Gen yon dame qui lui-même son entrepreneur lié, son femme d'affaires lié, li kite la kayli, li pralé nan Port Marigoa pour la prendre marchandise pour la prendre commerce. La dame nan a fait sur route là, le wè barricade là, li campé, yo campé machine là. Et puis gros paquet nèg qui sorti derrière barricade là. Yo mandé moun yo ba yo l'argent pour yo ka retirer barricade là pour yo ka avancer barricade là pour yo quitter yo passé. Bon comme nèg yo et nèg yo anti jan nèg yo drôle nèg yo bizarre nèg yo agressif moun yo choisi yo payer pour éviter désagrément effectivement yo ba nèg yo cob blanc nèg yo prend l'argent yo retirer barricade machine passé. Donc yo mette barricade là premièrement sur route là pour yo fouiller moun pour yo brasser moun alors que Jacmel, sud-est paysan, là, il y a ancien autorité, c'est là, sénateur, ancien sénateur et président Massena, c'est là, sénateur comment le relé a? C'est là, sénateur Lambert. Que le te Lambert, première version, que le te Wenceslas Lambert, qui était sénateur à un certain moment, que le te Joseph Lambert, qui sorti sénateur tout récemment. Là, c'est là, ouais, c'est département, yo. Et Dozen, c'est département, yo. Donc, en tant qu'autorité, je pense que yo te ka au moins gen information, yo. Yo te ka au moins faire contact avec le commissaire gouvernement nan, et dans la zone, dans la juridiction, faire contact avec le magistrat dans la juridiction, etc. Pour yo garder qui sa réalité, et pour yo garder qui sa l'obéla, yo. Madame n'a pas assez li paye l'ali. Tourne la tourne avec marchandise yo, comme li te paye l'el prale, li mette nan tête li pa paye encore. Eh bien, c'est là que nèg yo, yo commence à utiliser zam, yo commence à utiliser force, à faire violence sou moun. Yo bay madame nan trois options possibles. Premier bagay, soit yo boule machine marchandise l'so pran. Deuxième bagay, soit li paye l'argent. Pour yon débloquer pour le passé ou bien yon prenne un marchandise. Voilà dame qui pas de kob. Fi a pas de kob, li se prenne marchandise yon, li fauche le wagon goud nan poche. Li di neg yon le wagon kob. Neg yon dépensé à de fok yon jouen un moyen pour yon touche, pour yon retire barricade la pour dame nan passe avec marchandise yon. Le neg yon a fait gros l'obeye pour yon mette du feu nan machine nan, koun yon dame nan di nol pas ka kite yon mette du feu, koun yon finalement neg yon ale nan machine nan yon décide. Yo prend plusieurs sacs maïmoune, yo prend 4 ou 5 sacs maïmoune, yo lage pied yo.
La vie on a remis en parler, yo retiré barricade là, yo quitté dame dans passé et puis yo mettez barricade yo encore. Donc par rapport avec situation ça, on va déjà comprendre que si autorité ou pas intervenu, si autorité ou pas réagi, li évident que nan jou k'ap gen pou vini la yo, si vadie, yo pral faire le même genre yo fait Matisan, yo pral faire le même genre yo fait Kwa de Boukeya, yo pral faire le même genre yo fait La Boule parce que son groupe gang k'ap monté, son groupe gang qui a ferraillé là. Quand il y a l'heure, chercher plus d'informations, collecter plus d'informations, eh bien, nèg base Tima Kakyo, comme lui paraît un genre difficile pour nèg yo faire rentrer sud pays, pour yo passer Matisse, etc., pour yo aller, parce que l'on veut ou non, a toujours gen alerte, a toujours gen antenne qui baille commissaire Mouskadi, etc., pour commissaire Mouskadi intercepter yo, eh bien, nèg yo fait dans ranger, yo aller monter en l'effort, Jacques, aller 15 coffres, aller net, yo atterri dans ses gains. Des possibilités pour nèg yo pendant yo en l'air les escof pour yo atterri dans sud-est pays. Donc son bagage comme ça lié. C'est ça qui est grave là. Information tellement venir en pile et tellement information tellement et en pile pour nous vinn à obligé à filtrer information. Gen des série de monde qui dit que nèg ti makakyo yo gen proche dans zone Seguin, yo gen moun yo dans zone Sivadie, yo ba acheter terre pour yo. Gen des série de construction qu'a fait c'est 5 ans après construction yo a fait. Alors que dans situation pays et là diaspora presque par une fait 40 en Haïti presque pas acheter en Haïti moun sud-est pays grandes yo presque pas rentrer en Haïti. Donc li ont tijan difficile pour gen construction qu'a fait sans arrêter. Le moun cherche plus d'informations. Yo pral konnen se moun ki nan Port-au-Prince ki bay moun fè kay pou yo, se moun ki nan La Boule nan bay Simaka ki bay moun fè kay pou yo. Et kote bagay la ale pi loin, yo ta menm fè kwè ke li posib pou Simaka et nan Seguin liye nan département sud-est lan li a pran soin. Donc, information sa yo nou te juje li important pou nou te partaje la avec public la, jusqu'à ce que elle t'arrive dans oreille moun ki concerné yo, jusqu'à ce que elle t'arrive dans oreille autorité ki compétente yo, parce que en Haïti, nou yo fait pays en tourner tout vous c'est do, rien pas dit rien, bandi, c'est une question de bandi légal, nèg avec ça paraît plus dangereux que nèg examen parce que ou konnen des problèmes de pou pral passer Matisan, ou ap kontre avec un ISO, ou chwazi ou pa passer Matisan. Mais le moun sa yo ki nan l'état ou gen des informations partagées avec yo et pourtant moun sa yo c'est tête pensante base yo c'est tête pensante gang yo c'est comme si ou al foure terre ou nan bouche lui son bagay comme ça c'est ça qui fait en pile fois la police pas ka jwenn information en pile fois DCPJ pas ka jwenn information parce que moun yo ti jan méfiant moun yo ti jan méfiant parce que leur ba information yo pa konnen moun yo ba information comment le pral utiliser information si information ba la pa tourner kote li et li important ou même ka fè métier d'information pour chercher mon proximité avec moun ki partage information avec ou konn pou ki ça parce que l'homme mete moun nan confiance que li bon information li c'est sous information li bon yo c'est information qui vérifier parce que ou gen information c'est après la police pral ba li. Donc moun sa ki partage information avec ou supposé mettre la confiance que information ba ou pas pral ba identité ou pas pral partager numéro téléphone ou pas pral partager information sous sous ça le ça moun nan sorti li en confiance pour partager information avec ou. Donc li extrêmement important pour autorité concernée yo bon autorité konnen yo pa en affaire à gang yo pa bay gang travail pour yo pa financer bandi yo pour yo faire ça la loi mande yo pour yo faire pour yo arriver stopper machine désagrément ça. L'autre information. Président dominicain Luis Abinader pour un décret présidentiel côté gagné 39 personnalités qui sanctionné. Bon, moun sa qui sanctionné, il pas vraiment étonné. Il pas étonné, bon, peut-être moun qui t'a étonné dans l'histoire c'est Pierre Espérance. Pierre Espérance tout n'a sorti rapport membre société civile là etc. Et c'est première fois dans toute sanction États-Unis, Canada après c'est première fois que des moun dans société civile là qui visé. Premier fois gen moun nan société civile là qui visé et c'est le cas de Pierre Espérance. Pierre Espérance qui lui-même nan tête RNDDH réseau national et cap défendre droit moun etc. Et je ne jodi a li nan mitan un vaste scandale et qui aurait le scandale corruption, qui aurait le scandale moun qui gen proximité relation avec gang avec bandi, c'est ça lié a. C'est ça bagay lan hier parce que li évident que sanction que et République Dominicaine prend pas prend juste parce que moun sa pa reme figyo li prend et tout temps a gagné de grandes accusations pour peser sur moun yo
Donc, quelles accusations? Parce que nous songeons en septembre année passée, le été prend sanction et contre et ancien premier ministre Claude Joseph. Yo dou Claude Joseph et il pas bienvenu la kayo, yo déclaré le persona non grata. À ce moment, gen moun non même classe politique là, gen moun qui était content hein. Constat tout gros paquet moun qui était réagi qui dit non. Ça sont dérespectant que Abinader fait comme ancien premier ministre, ancien ministre affaires étrangères, pas ka gen bagaille comme ça. Pas ka gen bagaille comme ça. Donc journée jodi an là, est-ce que c'est une démarche pour Abinader régler les affaires personnelles liées avec un groupe moun? Parce que bien évidemment, gen des série de moun là qui t'a supposé tête raide sous l'histoire. Oui? Gen des série de moun qui t'a supposé tête raide sous l'histoire, si c'est véritablement Haïti ou ba en coup mais si c'est Haïti ou ba yon coup mais qui est moun qui pas capable sous l'histoire. Bon, ou comment Haïti après les amway, États-Unis prend sanction pas sanctionné Matéli, États-Unis prend sanction et gen l'autre moun yo pas sanctionné et puis ou même ou doit payer de ba en coup mais pour moun ça pas sous l'histoire. Au contraire, c'est retrait en fait c'est moun retiré. En tout cas, nous là n'a suivre est-ce que Abinader update dans les Abinader là ou bien est-ce que Abinader c'est à faire pas la régler, c'est moun pal la protéger moun pal pendant que gon l'autre catégorie moun y a sanctionné. Ça extrêmement important. Dans même dossier ça, nous pral font parler avec Stanley Lucas parce que dans ça qui gen pour avec bien Nexayo, l'argent que Nexayo investi en République Dominicaine, c'est qui a venir et même Abinader ça et faut qu'il ta répondre quelques petites questions, faut que gouvernement l'autorité dans pouvoir là ta répondre quelques petites questions parce que toujours dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, un paquet moun qui transiter la ka Abinader, gen autorité dans gouvernement Abinader là un certain moment qui yo même te gen relation avec mercenaires colombiens, tout ça faut que des questions qui ta supposé répondre. Est-ce que Abinader bon groupe on l'a protégé? Est-ce que Abinader bon groupe on y voulait exposer? Nous pral joindre réponse yo avec Stanley Lucas. Et bon, préparez-vous, oui, partagez émission, partagez vidéo parce que gen pile bagaille qui pral parler. Dans l'autre bon ligne là, moi gagne avec moi Stanley Lucas qui passe de présentation dans émission et avec Stanley nous pral fond quoi parler là. Sous dernier rebondissement qui gagne dans question sanction que y a prend contre différentes personnalités en Haïti, oligarques, politiciens corrompus et bandits gangs etc. Nous voyons que président Luis Abinader sorti et yon note d'information bien on décret Jean Carré Lelan côté que gagne 39 personnalités parmi yo gagne politiciens gagne et chef de gang, gagne moun nan société civile là, Pierre Espérance là-dedans, la Sadvol si là-dedans. Mais dans l'histoire Stanley, nous pas remarqué des séries de moun que États-Unis et Canada sectionné sous liste. Nous pral faut parler de ça, mais déjà faut que moi dire merci pour disponibilité et bienvenue dans émission mon éditorial avec Yannick. Comment est Stanley? Bonjour Yannick et bonjour à tout auditeur mon éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous faire échanger avec vous dans l'espoir que mon cap suivi yo ka bon meilleure compréhension de dynamique décision qu'a prend en dedans tant coup dehors pays a et qui j'en nous ka corriger ensemble tout ça qu'a fait qui pas bon pour pays a et pour une direction qui bon pour nous tout. Donc c'est pour ça que toujours répondre présent le où voulez nous parler. Stanley, et c'est sûr que ou bien informé de sanctions ça yo que président Abinader prend contre différentes personnalités. Et qui ça, comment comprendre sanction yo et qui position par rapport avec des séries de noms qui pas figuré dans l'histoire, tant que par exemple non et ancien président Michel Joseph Martelly que Canada sanctionné, privé que et Canada sanctionné. Et comment comprendre bagaille ça? Est-ce que sanction yo c'est des sanctions et qui vise un groupe moun qui bien déterminé ou bien est-ce que vous pensez à gagner nouveauté à gagner l'autre liste qui a sorti côté que et oligarque gagne des séries de monde en Haïti que tout le monde connaît que et société a plongé doit sur comme monde qui a financé gang de grands et hommes d'affaires etc. Non yo pas sous liste même comment comprendre dynamique ça et qui poussait et l'état dominicain président Abinader sanctionner des séries de groupe monde et premier bail là peuple dominicain par l'ennemi peuple haïtien et peuple haïtien par l'ennemi peuple dominicain
ces deux peuples et leur garder comportement sous frontière, capés de vivre ensemble et qui gagne deux fois partagé une série de bagages. Mais le président Luis Abinader pas un ami pays d'Haïti. Et dans le comportement qu'il gagne sous tout dossier économique, social et politique, monsieur pas un président qui est ami pays d'Haïti. L'on prend par exemple dossier prise sous rivière Massacre, côté dominicain prend 11 prises sous rivière Massacre pour alouser terre agricole la Kali. Et puis le président Jovenel te vin pour une prise sous rivière Massacre, où est problème qu'il a essayé de créer pour nous. Pendant un mois qui s'est passé, le président dominicain fait campagne sous tout forum international pour demander occupation pays d'Haïti. Alors que si c'était 11 ans pays d'Haïti, il a plutôt fait campagne pour que l'armée à la police joignent toutes armes qu'ils ont besoin pour craser gang. Ce n'est pas ça le fait. Ils ont cherché occupation, intervention militaire étranger dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, en tant que pays, nous n'avons jamais fait ça dans l'histoire Zilea. Nous n'avons jamais fait des marches caille blanc pour demander occupation dominicaine. Au contraire, nous-mêmes, en tant que pays d'Haïti, chaque fois nous intéressons à Saint-Domingue, c'est pour craser l'esclavage et cimer la liberté. C'est pour ça que le leader dominicain a loupé les esclavages. Si vous voulez tourner Saint-Domingue pour venir mettre l'esclavage, il demande au président pays nous, tant pris, venir parler un coup de main pour mettre la liberté de l'autre bois. Donc, dans la base de la question que vous posez, la première bagaille pour nous établir, Abinader sont l'ennemi pays d'Haïti. Et pour répondre directement à la question, la bagaille qui est choquant pour tout le monde, dans la liste sanctions que Abinader prend contre 39 personnes qui sont dans le pays d'Haïti, bagay qui plus choquant, hein? C'est non 7 personnes qui sont dans la liste Canada et qui sont dans la liste États-Unis hein, qui n'ont pas là. Ou pas non Dimitri Vob qui est tout le président et qui est dans la gang dans le pays d'Haïti. Ou pas non Libanais haïtien pareil Abinader, faut pas oublier Abinader son Libanais dominicain. Ou pas ouais Libanais haïtien Dimitri Vob, Reginald Boulos qui nan gang qui nan trafic zam et qui nan touye président nan pays d'Haïti nan yo banan lis lan. Avec que Abinader un Libanais dominicain a protégé Libanais haïtien qui nan gang qui nan trafic zam et qui nan touye président. Et ou pas pour un nom privé qui investit avec que Dimitri Vob investi dans Velas avec réseau Zami Abinader, Reginald Boulos investi Saint-Domingue avec réseau Libanais Dominicain. Avec que mes deux oligarques qui nan gang nan touye président et nan trafic zam dans pays d'Haïti, monsieur pas sanctionné. L'homme privé qui investi dans Codevi, cap marché avec KPN qui gagne intérêt en République Dominicaine et qui te fait soldat dominicain. Rentrer dans le pays d'Haïti, l'élite président provisoire, c'est le peuple qui a couru d'elle, ou elle va sanctionner. Donc, lorsqu'on analyse sept noms qui parlent dans l'islam, Matéli lit toute la journée qui Saint-Domingue, qui a intérêt Saint-Domingue, et Cap Van, pays d'Haïti, by Saint-Domingue, ou elle non va sous l'islam. Donc, ça, l'ogadil vraiment, ou est-ce que l'immérité et on analyse en profondeur. Pour qui ça sept non ça yo pas sous l'islam. Mais pas nous demander que pour qui ça sept non yo pas sous l'islam. Ou gen trois l'autre question qu'on vient ajouter pour montrer que dominicain yo représenté pas dominicain non président dominicain ça représente une menace pour nous. Première question que premier président dominicain pour que j'aime qu'à répondre 21 mois passé qui j'en fait permettre soldats Colombie passer sous territoire vinn touyer président Lacaine. Ça c'est pour que j'aime pas explication sur ça. Deuxième explication que Abinader et pour nous, comment fait son candidat à la présidence Saint-Domingue, Gonzalo Castillo, qui bat soldat Colombie à avion pour sauter Saint-Domingue pour venir entrer à Haïti, venir tuer le président Lacaine. Et troisième question que Abinader pour qu'on jambe le pays d'Haïti, explication pour lui, c'est qui j'en fait que les soldats Colombie, Antonio Palacios, fin touye président Lacaille nous,
c'est Saint-Domingue qui passe pour la Jamaïque. Qui est Saint-Domingue? Qui est Saint-Domingue qui est le qui te paye pour la Jamaïque? Qui est-ce qui complice les Saint-Domingue? Abinader, pourquoi j'aime bien nous explication sur ça? Il ne faut pas oublier que récemment, que trésorier campagne Abinader, la justice américaine fait arrêter pour ne quitter notre trafic de cocaïne, de blanchir comme cocaïne. Donc je vous dis, est-ce que une alliance entre Abinader, oligarque Boulos, oligarque Fob, privé, matériel à trier, pour mettre gang, pour mettre violence et instabilité dans le pays d'Haïti, qui favorable à Saint-Domingue. Donc, bon réflexion approfondie que nous devons faire en tant que pays, parce que le président Dominique Sahara, depuis 21 mois, et même le président Jovenel était là, il montrait que il n'y a pas d'intérêt au pays d'Haïti. Chaque fois qu'il parle, il fait tout ça capable pour sale image du pays d'Haïti à l'étranger. Donc, nous devons être très vigilants par rapport au président Dominique Sahara et l'action qu'il a posée. Donc, si nous émettons une première hypothèse, donc nous avons dit que, et oui, c'est vrai, Abinader prend sanction, mais sanction, ça y est, et y a plus son base acquaintance sous base et relation que le cas avec la catégorie moun et que le pas sanctionné, et puis l'autre moun y a sanctionné juste pour la galerie. So, bah, c'est ça le cas d'après vous-même. Et pas seulement ça, faut pas oublier que 85% de Zama Bal, qui a joué un gang, c'est Florida qui a sorti. 10% dans Zama Bal qui vient jouer gang yo dans le pays d'Haïti et Saint-Domingue et puis 5% Jamaïque. Donc je vous dis, instabilité, gang des autres dans le pays d'Haïti, crime dans le pays d'Haïti, bon pour Louis Abinader. Donc est-ce que c'est pour ça que Dimitri Vob, Jean-Marie Vob et Latrier qui impliqué dans gang, dans le trafic d'armes dans tout le président, qui va fonctionner. Et nous, est clairement que Abinader a visité business Dimitri Vob Saint-Domingue. Qui est impliqué dans tout le président, qui est impliqué dans la gang et qui est impliqué dans le trafic d'armes dans le pays d'Haïti. Donc ça veut dire que le problème que nous avons en matière de corruption, de gang, d'insécurité, c'est deux côtés de l'île. Ça veut dire que là, Saint-Domingue, il y a un monde dans le gouvernement dominicain qui a sponsorisé. Et c'est pour ça, depuis 21 mois, nous avons demandé que un tribunal spécial qui pourrait enquêter soit assassinat président. Et depuis là, au fin passé résolution 2653, ce n'est pas seulement le monde dans le pays d'Haïti pour sanctionner avec résolution 2653. 85% des âmes qui sont en Floride, ils ont balé. Les gens qui ont les Américains qui ont voué les âmes à balle dans le pays d'Haïti, il faut qu'ils sanctionnent. Et 10% qui sont Saint-Domingue, il faut qu'ils sanctionnent les gens dans le gouvernement dominicain et l'autre monde Saint-Domingue qui a voué les âmes à balle. 5% Jamaïque, la même bagaille. Donc, l'on pose des questions là, il faut mettre le nom cadre global qui a rapport à cocaïne, trafic cocaïne, déblanchiment comme cocaïne, trafic d'armes qui est lié avec trafic cocaïne. Non? Assassinat président et sponsoriser gang yo. Donc, il faut mettre le nom cadre global. Est-ce que bon réseau Saint-Domingue qui est dans l'État dominicain et qui est dans le secteur privé dominicain, qui a sponsorisé bagaille ça en Haïti et. C'est dans le contexte ça que le Conseil des mondes qui va sanctionner dans la décision que vous prenez. C'est dans le cas. Nous connaissons que il y a un pile et homme politique en Haïti, ancien sénateur, ancien député qui investit un paquet de l'argent en République dominicaine. Maintenant, la question à poser, un pile monde, mais je vais répondre sur la question ça tout. Et moun sa yo qui investit paquet l'argent, qui fait business, qui investit dans la construction, qui gon paquet l'argent, yo fait en Haïti, l'argent mal yo fait, l'argent dans la corruption, détournement de fonds publics, etc. Kounye ya, moun sa yo qui sous sanction, bon, pa mette au total 39, parce que chef de bande yo, Izo, Tila, Piti Makak, c'est sûr que, et moun sa yo, et on nous prend l'hypothèse que yo pa ta gen bien République Dominicaine, non, mette au dehors. Reste moun sa yo, politiciens, moun nan société civile, etc., qui ta gen prétendument des investissements yo fait en République Dominicaine. Qui a venu investissement sa yo? Qui a venu bien l'argent moun sa yo dépensé en République Dominicaine? Est-ce que yo risque perdu yo? Est-ce que yo risque poser scellé sous yo? Est-ce que même gens, et Canada avec États-Unis prend décision pour geler contre moun sa yo? Est-ce que c'est même processus là qui a fait en République Dominicaine? Do? Bon, c'est pour ça. Question proposée a montré que Ariel Henry représente une menace pour nous. Parce que, étant donné que son gouvernement qui est impliqué dans la gang, qui est impliqué dans le trafic d'armes et qui est impliqué dans tout le président, et dans quatre sanctions,
ou doué bon gouvernement qui défend les intérêts d'Haïti. On regarde dans le Canada. Canada déjà a dit que COB li saisi, il va permettre pays d'Haïti. Peut-être qu'il va prendre un parti dans COB pour faire un petit programme humanitaire à ONG canadien en Haïti. Sous bon gouvernement, senti bon gouvernement sérieux, ou bien doit gourmet pour que tout COB qui saisit à l'étranger, il va pas venir en Haïti. On voit ces mêmes bagages pour les États-Unis. COB li pas venir en Haïti. Et donc moi-même dans Saint-Domingue là, et est-ce que c'est même bagaille là et même approche qu'a fait? Donc je veux dire, la question qu'on pose à montrer pour qui ça, Ariel Henry, un gouvernement qui est impliqué dans la gang, qui est impliqué dans tous les présidents et qui est impliqué dans le trafic ZAM, il y a un bébé tout dossier dans le trafic ZAM, il y a un ministre de l'Intérieur dans la gang, il y a le secrétaire général du palais national invité, Vitel, on vient discuter de séparation pouvoir et l'argent, l'État n'a pas l'air et l'a trié. Donc, question qu'on pose à retourner nous à la réalité que nous vivons, tout autant que le gouvernement Ariel Lala, non seulement l'affaibli Haïti au niveau international, ils sont menés internes et externes pour nous. Donc, question fondamentale là, pour adresser ces problèmes ça directement, qui est la place à Ariel? Et question ça a posé, bien entendu, bon série de monde qui a un gros problème parce que Haïti voulait faire un coup d'État avec sa République tout. Donc, c'est comment pour remplacer Ariel, pour ce bon coup d'État, ça, les publics qui viennent remplacer, ou bien c'est même blanc, ça, yo, calchita avec oligarque qui pour venir bas ou Ariel. Et c'est ça qui est un défi qui est en face nous là, depuis 21 mois. Et en parlant de remplacer Ariel Henry, là, nous avons un processus que Ariel t'en pour commencer à faire des désignations différentes, pour monter le conseil électoral pour Isola. Comment comprendre et démontrer ça? Bon, et son théâtre qu'a fait, et comment fait théâtre là? Il propose, il écrit quelques secteurs, mais depuis 4 mois, il y a 9 noms dans poche, qui se disent mieux pour aller de yo, faire coup d'état électoral avec un parti politique qui n'a monté, n'a unité, vérité, l'espoir monté, qui est Haïti nouvelé. Ça avec Jacques Limac, et c'est même Jacques Limac là. Il va être comme candidat à la présidence qui Ariel Bay écrit une nouvelle constitution qui est en faveur oligarque et qui a retiré le peuple à la politique. Donc, soit il y a fait là en matière de lettres qui a écrit, soi-disant, il y a checké tout le secteur pour montrer un conseil électoral. Depuis 4 mois, il y a 9 noms et 9 malandrins dans le poche. Ça fait partie du contrôle institutionnel absolu qu'il y a besoin d'établir. Il ne faut pas oublier que il y a un contrôle pouvoir exécutif là. En 21 mois, il y a nommé 9 moun dans CSPJ, 11 moun dans coup de cassation, et il y a nommé moun. Et dans le tribunal première instance, Port-au-Prince-Chavannes, si elle pourra le bloquer pour eux, il y a plusieurs juges, même si je capture le dossier président Jovenel, monsieur, c'est dans l'unité qu'elle sortit. Donc, étant donné qu'il y a un contrôle et pouvoir judiciaire, il y a un contrôle pouvoir exécutif, là, c'est comment pour eux faire un coup d'état électoral et pour continuer le contrôle institutionnel, là, qui est le pouvoir exécutif, là, pour eux venir contrôler le pouvoir législatif. Là. Mais, coup d'état électoral qui a préparé à 9 malandrins que nous connaissons, qui ont gagné dans la poche, sont pratiquement impossibles en 2023-2024. Et donc là, pour même et pour moi-même, les vins installés, si vous réussissez à installer KFA, c'est pour accélérer et départ Ariel. Donc, que l'on veut ou non là, la Ariel. Li nan route pou organizon eleksyon Champwell, mete CEP Champwell li, et jan menm nèg sa yo tape. Li pa ka fè eleksyon libre, honnête et démocratique, parce que depuis qu'on gouvernement démocratique kap monte, faut y arrêter tout malandrin qui participe dans tout le président, monsieur konnen la dan yo. De vous retendez encore audio, premier bagay la, nous konnen que commissaire gouvernement Bedford Claude Kembe Ariel. Dans l'implication de la tout le président, nous sommes les juges d'instruction qui ont commencé à faire enquête la Gary Aurélien, ou sommes les audios qui montrent clairement que les joints Ariel impliquaient bien fond dans tout le président. Donc, nous savons qu'on est que si, depuis qu'on gouvernement démocratique, et parce que son château 4 qui l'a bâti, depuis qu'on gouvernement démocratique qui montait, là, prend à peu près 2 semaines pour rapporter tout arrêté qui était nommé dans CSPJ, dans la Cour de cassation, pour permettre que son gouvernement constitutionnel avec un Sénat constitutionnel qui mette moun dans CSPJ dans la Cour de cassation et révoque tout juge corrompu. Li konnen que depuis qu'on gouvernement constitutionnel a bon juge senti bon cabine sous dossier président la mari quand même. Donc pour lui même éviter ça, son coup d'état électoral la pari là. Donc eh bien, je nous caler nous même nous là pour nous continuer parce que en parlant de dénonciation
Bon, m'ap gande et honnêtement Stanley, gen sa y de bagay ka pase an dedan peyi an la, et surtout nan dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et moi m'ap pose tèt mwen question pou ki sa jusqu'à présent, malgré divers et accusations, malgré et clameur public la dénoncé Ariel Henry, a dénoncé proximité relation que Ariel gen avec Badjo Félix. Et juge Walter Savoldier, et comme si li soud, li aveugle, pas jamais gen aucune disposition qui prend pour éviter pour tient des problèmes Ariel dans dossier. Comme si yo prend nous pour égal. Non mais c'est justement ça, c'est pas ni dénonciation, c'est pas ni accusation que lié. Ce sont des faits, des preuves qui établissent implication de notre président. Et il ne faut pas oublier que le commissaire Bedford Claude mène une enquête pour le Digicel. Résultat enquête a montré clairement que comment Ariel Henry a coordonné avec Badjo Joseph et le 7 juillet 2021. Le commissaire gouvernement est convoqué pour venir répondre à la question à implication dans tous les présidents. Et il y a une réaction de l'homme coupable. Au lieu de la répondre, il a révoqué le commissaire gouvernement qui te mette interdiction de départ pour lui. C'est même bagaille là. Les juges d'instruction arrivent très loin dans l'enquête qu'il fait sur l'assassinat président. Ou songez au duo juge d'instruction Gary Aurélien que New York Times distribuait, qui montrait clairement que Ariel Henry impliqué très fond dans tous les présidents. Ah, et c'est pour ça. Et Ariel Henry, et, en tant que premier ministre, oligarque Pétionville qui impliqué dans tous les présidents. Jean-Marie Vob, Dimitri Vob, Reginald Doulos, ensemble, ils ont pris une décision, nommé avocat Sogéné, avocat Dimitri Vob, Beto Dossé, ministre de la Justice, pour mettre un mécanisme institutionnel en place pour bloquer des deux côtés de l'île. Ça veut dire que là, Saint-Domingue, il y a un monde dans le gouvernement dominicain qui a sponsorisé. Et c'est pour ça, depuis 21 mois, nous avons demandé que un tribunal spécial qui pourrait enquêter sur l'assassinat président. Et depuis là, au fin de passer résolution 2653, ce n'est pas seulement le monde dans le pays d'Haïti pour sanctionner avec résolution 2653. 85% des âmes qui sont en Floride, ils ont balé. Les gens qui ont les Américains qui ont voué les âmes à balé dans le pays d'Haïti, il faut qu'ils sanctionnent. Et 10% qui sont Saint-Domingue, il faut qu'ils sanctionnent les gens dans le gouvernement dominicain et l'autre monde, Saint-Domingue, qui ont voué les âmes à balé. 5% Jamaïque, la même bagaille. Donc, l'on pose des questions là, il faut mettre le nom cadre global qui a rapport à cocaïne, trafic cocaïne, déblanchiment comme cocaïne, trafic d'armes qui est lié avec trafic cocaïne. Non? Assassinat président et sponsoriser gang. Donc, il faut mettre le nom cadre global. Est-ce que bon réseau Saint-Domingue qui est dans l'État dominicain et qui est dans le secteur privé dominicain, qui a sponsorisé bagaille ça en Haïti et. C'est dans le contexte ça que le conseil des mondes qui va sanctionner dans la décision que vous prenez. C'est dans le cas. Nous connaissons que y a un pile et homme politique en Haïti, ancien sénateur, ancien député qui investit un paquet de l'argent en République dominicaine. Maintenant, la question à poser, un pile monde, mais je vais répondre sur la question ça tout. Et moun sa yo qui investit paquet l'argent qui fait business qui investit dans construction qui gon paquet l'argent yo fait en Haïti l'argent mal yo fait l'argent dans corruption détournement de fonds publics etc. Kounye a moun sa yo qui sous sanction bon pa mette au total 39 parce que chef de bande yo izo ti la petit macaque c'est sûr que et moun sa yo et on nous prend hypothèse que yo pa ta gen bien République Dominicaine non mette au dehors. Reste moun sa yo, politiciens, moun nan société civile, etc., qui ta gen prétendument des investissements yo fait en République Dominicaine. Qui a venu investissement sa yo? Qui a venu bien l'argent moun sa yo dépensé en République Dominicaine? Est-ce que yo risque perdu yo? Est-ce que yo risque poser scellé sou yo? Est-ce que même gens, et Canada avec États-Unis prend décision pour geler contre moun sa yo? Est-ce que c'est même processus là qui a fait en République Dominicaine? Do? Bon, c'est pour ça. Question proposée a montré que Ariel Henry représente une menace pour nous. Parce que, étant donné que son gouvernement qui est impliqué dans la gang, qui est impliqué dans le trafic d'armes et qui est impliqué dans tous les présidents, et dans quatre sanctions, où doit un gouvernement qui défend les intérêts d'Haïti, en regardant dans le Canada. Canada a déjà dit que Kobli saisit le premier pays d'Haïti. Peut-être qu'il y a un parti dans le Koblan pour faire un petit programme humanitaire à ONG canadien en Haïti.
sous bon gouvernement, senti bon gouvernement sérieux, ou gen droit pour mettre pour que tout corps qui saisit à l'étranger, yo pas venir en Haïti. Nous c'est même bagaille pour les États-Unis. Corps yo pas venir en Haïti. Et donc moi-même dans Saint-Domingue là, et est-ce que c'est même bagaille là et même approche en cap fait. Donc je viens aujourd'hui à question proposée à montrer pour qui ça Ariel Henry un gouvernement qui impliqué dans gang, qui impliqué dans tout le président et qui impliqué dans trafic d'armes. Il y a un bébé tout aussi dans le trafic d'armes, il y a un ministre de l'Intérieur dans le gang, il y a le secrétaire général du palais national invité, Vitel, on vient discuter de séparation pouvoir et l'argent, l'État n'a pas l'air, il a trié. Donc, question proposée à retourner nous à la réalité que nous vivons, tout autant que le gouvernement Ariel Lala, non seulement l'affaiblit Haïti au niveau international, ils sont menés internes et externes pour nous. Donc, question fondamentale là, pour adresser ces problèmes ça directement, qui l'en a pris place à Ariel? Et question ça a posé, bien entendu, bon série de monde qui a un gros problème parce que Aristide voulait faire un coup d'État avec sa République tout. Donc c'est comment pour remplacer Ariel pour se faire un coup d'État sa République qui vient remplacer ou bien c'est même plan ça qui a le chita avec oligarque qui pour venir bas ou Ariel. Et c'est ça qui est un défi qui est en face nous là depuis 21 mois. Et en parlant de remplacer Ariel Henry, là nous avons un processus que Ariel tente pour commencer à faire des désignations différentes pour nous bien pour monter conseil électoral provisoire. Comment comprendre et démontrer ça? Bon, et son théâtre qu'a fait, et comment fait théâtre là? Il y a une proposition écrit quelques secteurs, mais depuis 4 mois, il y a 9 noms dans le poche qui sont 10 ans pour aller faire coup d'état électoral. Avec un parti politique qui n'a monté, n'a guinité, vérité, l'espoir monté, qui est Haïti nouvelé. Ça avec Jackie Limac, et c'est même Jackie Limac là. Il va être comme candidat à la présidence, qui Ariel Bay écrit une nouvelle constitution qui est en faveur oligarque et qui a retiré le peuple à la politique. Donc, soit il a fait là en matière de lettres, qui a écrit, soi-disant, il a checké tout le secteur pour montrer un conseil électoral. Depuis 4 mois, il y a 9 noms et 9 malandrins dans le poche. Ça fait partie du contrôle institutionnel absolu qu'il y a besoin d'établir. Il ne faut pas oublier que il y a un contrôle pouvoir exécutif. Là. En 21 mois, il y a nommé 9 personnes dans le CSPJ, 11 personnes dans le coup de cassation, et il y a nommé personnes. Et dans le tribunal première instance, Port-au-Prince-Chavannes, si elle pourra le bloquer pour eux, ils ont même plusieurs juges, même juge qui a tiré le dossier président Jovenel, monsieur, c'est dans l'unité qu'elle sorti. Donc, étant donné qu'il y a un contrôle et pouvoir judiciaire, il y a un contrôle pouvoir exécutif, là, c'est comment pour eux faire un coup d'état électoral et pour continuer le contrôle institutionnel, là, qui est le pouvoir exécutif, là, pour eux venir contrôler le pouvoir législatif. Là. Mais, coup d'état électoral qui a préparé à 9 malandrins que nous connaissons, qui ont gagné dans la poche, sont pas pratiquement impossibles en 2023-2024. Et donc là, pour même et pour moi-même, les vous installer, si vous réussissez à installer KIPA, c'est lui pour accélérer et départ Ariel. Donc, que l'on veut ou non là, la Ariel. Li nan route pou organizon eleksyon Champwell, mete CEP Champwell li, jan menm nèg sa yo tape. Li pa ka fè eleksyon libonèt et demokratik, paske depi kon gouvernement demokratik kap monte, fò y arete tout malandrin ki patisipe nan touye prezidan, msye konen la dan yo. De vous retendez encore audio, premier bagay la, nou konen ke komisè gouvernement Bedford Claude Kembe Ariel, nan implikasyon nan touye prezidan, nou sonje juge d'instruction ki te komanse fè anket la gari, liens ou songer audio là qui montre clairement que li joine Ariel impliqué bien fond dans tout le président. Donc nous sait qu'on est que si depuis qu'on gouvernement démocratique et parce que son château qui l'a bâti depuis qu'on gouvernement démocratique qui monte là prend à peu près 2 semaines pour rapporter tout arrêté qui était nommé dans CSPJ dans coup de cassation pour permettre que son gouvernement constitutionnel avec un sénat constitutionnel qui mettait monde dans CSPJ dans coup de cassation et révoquer tout juge corrompu. Li konnen ke depi kon gouvernement constitutionnel a bon juge senti bon kap vin sou dossier président la mari quand même. Donc pour lui même éviter ça, son coup d'état électoral la pari là. Donc eh bien, je nous caler nous même nous là pour nous continuer vivre parce que en parlant de dénonciation, moi m'a gardé et honnêtement stemmé. Gen sa de bagay kap passe en dedans pays là et surtout dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et
Moi, je me pose une question pour qui ça, jusqu'à présent, malgré diverses accusations, malgré clameur publique, la dénoncé Ariel Henry, a dénoncé proximité, relation que Ariel Henry a avec Badjo Félix. Et juge Walter Westerwolder, et comme si les soudes, les aveugles, pas jamais il n'y a aucune disposition qui prend pour éviter, pour changer pour le ministre Ariel dans le dossier. Comme si on prend nous pour égal. Non, mais c'est justement ça. Ce n'est pas ni dénonciation, ce n'est pas ni accusation que lié. Ce sont des faits, des preuves qui établissent l'implication de notre président. Et il ne faut pas oublier que le commissaire Bedford Claude mène une enquête pour le Digicel. Résultat, l'enquête a montré clairement que comment Ariel Henry a coordonné avec Badjo Joseph et le 7 juillet 2021. Le commissaire gouvernement est convoqué pour venir répondre à la question à implication dans tous les présidents. Et il y a une réaction de l'homme coupable. Au lieu de lui répondre, il a révoqué le commissaire gouvernement qui a mis interdiction de départ pour lui. C'est même bagaille là. Les juges d'instruction arrivent très loin dans l'enquête qu'il fait sur l'assassinat président. Ou songez au duo juge d'instruction Gary Aurélien que New York Times distribuait, qui montrait clairement que Ariel Henry impliqué très fond dans tous les présidents. Ariel et c'est pour ça. Et Ariel Henry, et, en tant que premier ministre, Oligarque Pétionville qui impliqué dans tous les présidents, Jean-Marie Vob, Dimitri Vob, Reginald Boulos, ensemble, ils ont pris une décision, nommé avocat Sogéné, avocat Dimitri Vob, Beto Dossé, ministre de la Justice, pour le mettre un mécanisme institutionnel en place pour bloquer Marie-Mission Samabofrel qui est impliqué dans tous les présidents. Donc nous-mêmes en même temps, tout cap roumain pour démocratie depuis 30 ans, dans quel que soit camp politique que nous avons, nous pas dans rien dedans. Par exemple, moi, je suis dans la valasse là. Pourtant, là où tout le Lovensky et Pierre-Antoine, nous avons le premier monde qui campe, qui dit qu'il faut que nous marions les gens qui tout le Lovensky et Pierre-Antoine. Et nous sommes roumain jusqu'à ce qu'ils aient identifié ces ministres en charge des relations du Parlement qui étaient dans la partie politique prévalent la unité, qui t'a tout le Lovensky et Pierre-Antoine. Jusqu'à présent, vous pouvez marier, monsieur. Même Jean-Dominique Patnan quand nous, les Alcipin touye Jean-Dominique, nous parlons de rien d'un. Quel que soit côté moun nan, il y a la fait société à mal, nous parlons de rien d'un avec eux. Et c'est pour ça que nous avons un record très clair en matière de promotion de la justice, de la démocratie, d'élection libre, de régime de la loi, pendant 30 ans qui se passait. Et c'est pas facile non pour qu'il y ait une position correcte et cohérente pendant 30 ans. Et nous parlons de Stanley, qui attend tout par rapport avec les sanctions qu'a pris et par mon côté, et on paquet le pays, États-Unis, Canada, République Dominicaine. Et satisfaction, c'est arrivé, ouais, aux sanctions des séries de oligarques en Haïti, ou du moins, personnellement, et jusqu'à ce que tu as sanctionné des séries de monde que vous-même ou visé, qui a contribué, qui a financé gang, qui a sima et violence dans le pays, qui a empêché Haïti de jouer une stabilité, qui a empêché que le président était sous pouvoir, qui a empêché que le pays a joué une stabilité. De celles de monde qui a investi dans des agréments qui parlent le président, qui a été fait mandat, juste après le président Jovenel Moïse. Donc c'est ça qui a pris de satisfaction, l'autre a ouais, dans les sanctions qu'a pris, que par exemple, États-Unis ont sanctionné et Martelly ont sanctionné. Et Dimitri Vob, Reginald Boulos, est-ce que c'est ça qui est la principale satisfaction? Même mon grande satisfaction, c'est toujours courir les revendications du peuple haïtien. Le peuple haïtien a cherché justice. Les comptes tout oligarque Pétionville, qui n'a la vie chère, qui a pesé sous ces peuples-là, qui a capturé l'État, qui a empêché le Parlement de fonctionner, qui a saboté le processus électoral pour l'élection parfaite, qui a pillé l'État. Et qu'a tué opposant politique jusqu'à ce qu'il tue le président. Et peuple a connu tout leader politique qui n'a vie bagaille ça yo, tout membre dans la société civile là, dans les droits humains, dans Accord Montana, toute qualité à côté de chaque. Le peuple a connu, moi-même, son grand bail qui m'a fait, c'est accompagner, m'a pas accompagné peuple là, dans lutte en tant que sentinelle, dans lutte qu'il a mené. Donc moi-même, et satisfaction, moi-même, qui m'a cherché, c'est jouer l'institution pays là qui a fait travail ça yo. Je veux dire, les blancs ou bien l'autre étranger à la sanction sont ces idées dans le pays d'Haïti, ou ligas, ou bien politiciens, ou bien monde société civile. Il y a zéro impact sur la société. Ils sont toujours en position. Bon gouvernement qui a couru. Et pendant que les blancs sont sanctionnés, les blancs en relation ces idées qui veulent faire coup d'État pour remplacer les blancs qui l'ont.
Alors que nous-mêmes, en tant que société, nous avons besoin des gens sentis bons qui viennent dans le parti politique qui viennent dans la tête de l'État. Parce que nous avons 21 mois à montrer nous, agenda, peuple haïtien, blanc, en face. Agenda pour une société, côté gain la paix, côté gain régime de la loi, côté gain bon genre élection qui fait, côté bon gouvernement senti bon. Blanc besoin retirer, mettre. Et ça, blanc a retiré, a pas bon, ça les mettre, il n'y a pas bon tout. Donc, je veux dire, il y a un conflit direct entre l'agenda du peuple haïtien et l'agenda blanc, et c'est appliqué là. Donc, moi-même, dans le travail que je fais comme monde qui connaît la démocratie, je vais essayer d'accompagner le peuple dans le monde qui font le qui facile. Comment on veut blanc sanctionner, blanc Canada, blanc américain, d'où les sanctionner, et puis par exemple, transférer le dossier mounio à la justice haïtienne pour faire suivi. Blanc pas qu'on a bêtise. Blanc, c'est ici, compte en banque. Compte en banque, moun sa, c'est l'argent, l'État, l'argent, peuple. La blanc, il va permettre qu'on blabla, peuple. Aïe, comme qui pour peuple haïtien, qui n'a compte en banque. Kaye blanc, au lieu de remettre le trésor public haïtien, blanc, il a qu'un bébé comme là. Et pour ça, la lutte que n'a mené, c'est pour une lutte si jouette qu'elle y est. Bien entendu, les nègres te finent tout y est des salines. Nègres te prennent contrôle l'État, ou te prennent contrôle la presse. C'est pour ça que nègres qui te finent tout y est des salines, en PEA. Nèg yo t'al tuer tout officier qui était proche des Salines et fait persécution politique et yo t'ai contrôlé la presse pas de gain t'ai qu'a dit différence quoi ça c'est peuple la prend la rue 7 juillet pour Marie soldat colombien yo qui fait que moun qui tuer président et qui prend tout tuer bagaille ça yo là ou vinn prend pouvoir à travers accord 11 septembre là t'est trop tard constater gain en fait accord et pardon en enquête de CPJ t'est gain en fait enquête commissaire Bedford Claude fait avait dit que bon parti dans barrage là te gen tan bon gros trou là-dedans nèg yo pa ka patchil et c'est pour ça pendant 21 mois ou gen Badio qui vinn bay nouveau information ou éviter l'homme a parler chez Michel a parler barbecue a parler pour vinn ouais lien qui existait entre nèg qui touye président et gang yo c'est au même pendant 4 ans et demi président qui te mette gang pour attaquer la police pour les commissariat pour les tribunal et la trier c'est au même qui vinn prendre tête l'état. Et c'est pour ça qu'il y a gang qui a dénoncé. Et nous venons à l'alliance qui n'est pas gagné, on sait des blancs à l'étranger qui supportent les gangs et qui supportent la corruption. Et pour ça, l'inflation est très complexe qui est liée. Maintenant, 21 mois, ça belle, le peuple a arrêté focus. Le peuple a dit faut que je m'envoie ami, il faut cliquer. Et c'est pour ça que nous arrivons côté nous là. Le système qui n'est pas voulu qu'un bel là, il n'y a pas qu'un bel. Son système que le président a essayé d'écraser, que le peuple a écrasé puis devant, quelle que soit toute démarche qu'il a faite. Et c'est ça, nous espérons. Si vous me permettez de faire une petite digression avant de quitter Wale, et moi, je reçois des informations de plusieurs sources, comme quoi, dans ce moment-là, en Haïti, il y a une véritable question de trafic d'organes qui a fait. Et information qui a fait quoi que ça concerne Haïti avec la République dominicaine, et précisément, des séries de chefs mafieux, tant que Iso, l'amour sans jour, et que nègre t'a utilisé, et des séries de moun, famille, yon tande, yon sorti, yon pas rentré, yon pas jamais relevé des rançons, yon pas jamais contacté famille, moun sa rose dans piège, trafic d'organes, yon tapra. Donc, moun pa konne sou, tande, sou, yon information sa. Là, depuis dans le pays d'Haïti, li gen de aspects la dan, li gen trafic d'organes, et li gen trafic sexuel la dan tout. Par exemple, soit elle fait enquête sur, par exemple, nèg qui mouri dans prison New York là, Epstein, et soit elle fait enquête sur Tom Reeves qui était dans Nambla et qui voulait dire National Boy American un bagaille association, avait dit une série de pédophiles qui abusé des garçons et qui connectait avec des secteurs politiques très clairs dans pays d'Haïti et moun sa yo yo nan ni nan trafic sexuel là et yo nan ni nan trafic zam nan yo nan trafic cocaïne nan yo nan trafic d'organes nan. Trafic d'organes nan, ça veut dire auditeur son gros blanc aux États-Unis ou bien en Europe li gon problème que li gon problème gon pati nan col qui dégénéré s'il pas joine un nouveau pour remplacer li la mouri et ben ça fait ou kidnapper moun nan et les touye moun nan yo volé organe ça qui vous voyez et alvan à l'étranger. Donc, tout trafic ça, trafic d'organes, trafic d'âme, trafic sexuel, et tout bagaille ça lié ensemble. Son réseau qui dans le pays d'Haïti qui a une connexion à la fois économique, sociale et politique. Par exemple, on fait sous recherche sur Internet là, n'écrit les rives, R-E-E-V-E-S, qui n'en nombla, N-A-M-B-L-A. Qui
qui c'est chef réseau pédophile qui mourit, ou après politiquement qui est connecté dans le pays d'Haïti. Haïti que tout nèg pédophile ça a eu, les Scouflets, les Aristides, les Célides, yo connecté à réseau ça, réseau gang yo, yo dans trafic d'armes, yo dans trafic d'organes, yo dans trafic cocaïne dans tout, yo tout lié. Donc tout est crime organisé ça. Son bagage pour nous démanteler pour payer à respirer. Bon, et m'espère une prochaine fois on va débattre plus sur ça, on va collecter plus de choses. Parce que trafic d'organes, son bagage qui presque 400 millions de dollars américains et kidnapping là, il y a à peu près 39-35 millions de dollars américains par année et trafic d'armes là. Là 250-300 millions de dollars américains par année, bah si quoi, on n'a pas parlé là. Quand tu as beaucoup de cocaïne, même trafic de drogue, là, c'est 3, 4, 5 milliards de dollars américains par année. Donc, c'est des sujets qui sont très complexes et c'est des gens qui sont extrêmement dangereux tout. Et travailler là-bas. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Je ne sais pas, même quand je parle avec vous, je suis obligé de veiller comme vous. Ah oui. Par exemple, si je descends en décembre là, en Floride, ou tu as besoin de me suicider dans l'hôtel de la Floride, vous devez me suicider et tout, et vous devez aller tout. Donc, là, on a un gouvernement, tant que gouvernement Ariel là, qui prend résolution en conseil des ministres pour laguer un drug dealer mexicain que la justice haïtienne déjà condamné. Vous comprenez son jouet lié? T'as chargé. Eh bien, Stanley, m'a dit merci parce que je dis à la nous font bon parler. Il y a un paquet de dossiers qui est extrêmement complexe. N'a pas gagné pour nous débattre sur eux. N'a fait plus de recherches. N'a pas approfondi ça nous gagne comme information. Et n'a pas retourné sur le dossier ça. Et c'est pour ça, Yannick. Même des petits jeunes, capitaine de là, on a filo, qu'on fait commencer dans l'université. Pour qu'à changer pays, ou même comme jeune femme, jeune garçon, capitaine de là, sous pas mettre connaissance dans tête, ou pas faire dossier, ou pas faire thèse sous problème ça, ou pendant ou dans l'université, ou pas qu'à changer société à demain matin, l'ovine responsable l'État, responsable société civile, ou bien quel que soit côtoyé dans la société. C'est pour ça nous-mêmes, nous encourager les jeunes à étudier, faire recherche, faire dossier, pour que demain matin, on puisse changer la caille. Et nous félicitons encore une fois Yannick pour le travail extraordinaire ça, de formation, d'information, d'analyse qu'il a fait pour nous, pour aider nous à être. Parce que les oligarques qui puissent, les qui dans l'État qui puissent, ce n'est pas deux copes que y a bail dans le micro pour que la discussion ça soit parfaite pour pas être clair. Donc nous-mêmes, on l'a dit, nous voulons regarder. Algade publicité en série de émissions. Lorsqu'il y a des produits qui n'ont publicité émission, gardez qui oligarque qui gagne monopole et puis vous comprenez. Par exemple, gardez côté, de vous publicité ça a l'âme pas passé. Parce que c'est oligarque vobla, oligarque boulos, c'est lui qui gagne monopole produit. L'idou comme condition pour le bon publicité ça, pour café payroll dans fait moi, Stanley va passer sur radio ça ou bien dans l'émission ça. Et c'est pour ça, l'on joue des émissions, tant qu'il y a tant que Bousta, tant que Infoberto, tant que Foucault et Latrier, ils sont très importants. Ça qui sauve nous, tout c'est que dans le 21e siècle, là, que nous y là, 85% des gens qui ont entre 14 ans et 37 ans pas de radio, c'est sur les réseaux sociaux que nous voulons. Et ça qui fait que nous ne mettre pas de bouquet pour empêcher les gens de parler. Donc, il faut féliciter Yann pour le travail qu'on fait, c'est pas extraordinaire. Merci un peu Stanley, c'était un véritable plaisir pour nous te faire parler ça et n'a pas croisé encore et très bonne fin de semaine à vous-même. Bon Dieu ben nous, Kembe là. Merci. Avec nous, c'était Stanley Lucas. Nous t'ap débattre sur situation pays. Il y a plusieurs dossiers qui n'ont actualité et dossier élection, dossier CEP que Ariel décide de monter et sanctions que République Dominicaine prend et compte et différents personnalités en Haïti et nèg qui n'ont politique, moun qui n'ont société civile, chef de gang, moun sa honoré les oligarques parce que bien entendu tout le monde est sanctionné, on ne peut pas considérer comme oligarque. Parce que il y a des décantations qui font, il y a des politiciens, il y a des chefs de gang, il y a des gens dans la société civile et il y a des oligarques pour la donne. Donc, il est extrêmement important pour nous peser le pour et le contre, pour nous chercher plus d'informations, plus de détails et pour nous arriver à faire lumière sous le dossier. Donc, c'est là que nous mettons en bout dans l'émission. J'espère que
pour être vraiment satisfait, mais espérer que tout ça nous pote bah comme information aujourd'hui là, il y a très utile pour vous et pas oublier partager vidéo. C'est pourquoi abonner avec channel là. Pas oublier faire ça, abonner, activer petite cloche notification pour pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Rendez-vous à casser demain sur même chaîne dans même l'heure. C'est toujours un plaisir pour me servir. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'énoncé. Mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis il fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là, pour qu'il y ait bien informé avec Yannick. Mon éditorial.